Métro, écoute, chez Métro, le bœuf haché. Le bœuf haché, là, cette semaine, tu l'as, là, plusieurs variétés, mi-maigre, maigre, puis extra maigre. Donc, chez Métro, c'est celui que je pense qui est le plus avantageux cette semaine, qui est le bœuf haché maigre. À 2,99 la livre, ou si tu préfères, 6,59 le kilo, versus, là, le mi-maigre à 2,49 chez IGA. Donc, tu te dis, OK, mi-maigre, 2,49 la livre, maigre, 2,99 la livre, donc 50 cents. Pour du passer du mi-maigre au maigre, c'est sûr que là, c'est plus avantageux là, le maigre. Okay? Il faut qu'il y ait une pièce au moins et plus de différence entre chaque, là, entre le mi-maigre, le maigre et l'extra maigre, pour que ça vaille la peine. Quand il y a moins de 50 cents, ben, tu vas prendre celui qui est le moins gras, c'est bien évident, parce que ce qu'on cherche, c'est la protéine, c'est pas le gras. Hein? C'est ça. Donc, écoute, chez Métro, le bœuf haché maigre, 2,99 la livre ou 6,59 le kilo, c'est super. Aussi, cette semaine, en fait, protéines, l'osso buco de porc. C'est sûr, c'est pas de veau, là, parce que c'est très cher, ça, l'osso buco, on le sait. J'en fais jamais, justement, parce que c'est trop cher. Mais quand il tombe en spécial, bien, ça peut être le fun de le faire dans le croque-pot, dans l'Instapot, ou quelque chose qui est une mijoteuse quelconque. Puis ça sent bon, puis c'est réconfortant, l'osso buco. Il y a des bonnes petites recettes sur Internet, il y en a plein. Il y en a des salées, sucrées, il y en a des plus épicées, vraiment, ou tomateuses, là, vraiment tomateuses, servi avec des petites pâtes là, comme des petits nœuds papillons là. C'est super bon. Donc le Soboco cette semaine à 3,99 la livre, tu peux faire 8,80 le kilo. C'est vraiment dans le bon prix pour ce qui est de l'Soboco de pas. Tu sais. Aussi chez Métro, bon écoute, le smoked meat, hein, le jambon fumé de mille lunes, là il semble être sur le, si je comprends bien sur le circulaire, là, il n'est pas coupé en smoked meat déjà. T'sais, il est déjà là en demi lune, donc en morceaux. Fait que ça, l'idéalement, c'est que tu le prends, tu le mets dans les tuveuses. C'est comme tu ferais cuire finalement du brocoli, t'sais, à la vapeur. Fait que tu fais cuire cette viande-là, tu la fais réchauffer à la vapeur comme ça. Là. Puis après ça, tu sors ça là, comme quand on va chez le smoked meat, là, t'sais, ça fume, il sort ça de là, puis il pique ça avec son couteau, il nous fait des belles petites tranches minces, là, puis il nous fait une belle petite sandwich, un smoked meat écœurant. Puis ça coûte cher, du smoked meat, c'est effrayant. Puis, cette semaine, même en spécial, c'est pas donné, là. 3,49 la livre, tu peux faire 7,69 le kilo pour du vrai smoked meat, là. Ça, ben, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ça peut être assez fantastique de manger ça, surtout si tu le fais toi-même, tu sais. Moi, j'aime ça. J'adore ça, smoked meat, mais j'en mange très peu parce que c'est mortel. Mais écoute, c'est ça qui est ça cette semaine. Écoute, pour chez Métro.